frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je désire vous parler d'une réalité souvent négligée, mais qui peut avoir un impact dévastateur sur notre vie quotidienne. L'action insidieuse du diable. Il est astucieux et s'insinue dans nos vies de manière que nous ne reconnaissons souvent pas immédiatement. Nous ne devons pas nous attendre à le voir en personne, ni à travers des possessions démoniaques ou des visions spirituelles. Le diable est habile à agir à travers des situations apparemment innocentes, s'insinuant dans les plis de notre quotidien. Mais n'ayez pas peur, car avec la lumière de la foi et la force de la prière, nous pouvons reconnaître et résister à ses ruses. Comprenons ensemble comment nous pouvons reconnaître son action dans notre vie quotidienne. Satan, le trompeur, trouve un terrain fertile dans nos cœurs lorsque nous laissons des sentiments comme l'envie et la jalousie prendre le dessus. Ces sentiments empoisonnent l'âme, déforment la perception de la réalité et nous éloignent du chemin du Seigneur. Rappelons-nous les paroles de Jacques 3,16. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'envie est l'un des outils préférés du malin. Une graine qu'il plante dans les cœurs faibles pour faire croître des divisions et des discordes. Sa propre chute a été causée par l'envie de la grandeur de Dieu, un sentiment qui l'a conduit à la rébellion et à son expulsion du paradis. Quand nous nous trouvons être l'objet d'envie ou de jalousie, nous devons nous rappeler de ne pas nous laisser influencer. Jésus nous enseigne à être humbles et conscients que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La prière est notre arme la plus puissante contre l'envie et la jalousie des autres. Saint Benoît de Nursie nous exhorte à nous défendre du mal par la prière, la charité active, la fidélité absolue au Seigneur et la pleine confiance en lui. Vivre une vie sainte, pratiquer la justice et accomplir des œuvres de miséricorde non seulement nous protège, mais renforce notre âme contre les tentations du malin. Mais n'oublions pas que l'envie peut aussi nous toucher. Lorsque nous nous trouvons à envier les autres, nous permettons au diable de prendre racine dans notre cœur. Ce péché, apparemment inoffensif, nous blesse d'abord nous-mêmes puis les autres. Nous devons surveiller constamment nos pensées et demander à Dieu de purifier nos cœurs, afin que nous puissions voir le bien chez les autres et remercier le Seigneur pour les bénédictions dans notre vie. Un autre signe de l'action du diable est notre incapacité à pardonner. Le pardon est fondamental pour vivre une vie chrétienne pleine et libre de ressentiment. Éphésiens 4:32 nous exhorte. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lorsque nous ne parvenons pas à pardonner, nous sommes esclaves du ressentiment et ouvrons la porte aux malins. Se tourner vers le Christ et pratiquer le pardon, même lorsque cela semble impossible, nous libère des chaînes du ressentiment et nous rapproche de l'amour qui guérit et sauve. Un troisième signe de l'action du diable est l'éloignement de Dieu. Lorsque nous nous sentons loin de lui et que nous ne comprenons pas pourquoi il semble ne pas nous écouter, nous tombons dans l'un des pièges les plus subtils du diable. Comme nous le dit Pierre, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Pour éviter cela, nous devons analyser quotidiennement nos actions, prendre conscience de ce que nous faisons et aligner nos pensées et nos actions sur la volonté de Dieu. La prière et la méditation de la parole de Dieu sont des outils essentiels pour rester vigilant et résister aux tentations du malin. L'action insidieuse du diable ne se limite pas aux sentiments d'envie, de jalousie et de manque de pardon. Il est un maître dans l'utilisation de toute faiblesse humaine possible pour ses fins malveillantes. Un autre outil que Satan utilise fréquemment est la division. Nous savons bien combien Jésus a prié pour l'unité de ses disciples, disant dans Jean 17:21 « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » La division entre les croyants, au sein des familles et des communautés, est un signe clair de la main du diable en action. Satan cherche à semer l'ivraie, les malentendus et la discorde partout où il peut,
car il sait qu'une maison divisée ne peut résister. Cependant, la division n'est pas le seul moyen par lequel le diable cherche à déstabiliser les croyants. Il sait bien comment exploiter nos peurs et nos insécurités. Lorsque nous nous sentons accablés par l'anxiété, les préoccupations et les doutes, nous oublions souvent de nous tourner vers Dieu. La peur peut paralyser notre foi, comme nous le voyons lorsque les disciples ont eu peur pendant la tempête sur la mer et que Jésus les a réprimandés pour leur manque de foi. Le diable exploite ses émotions pour nous éloigner de la confiance en Dieu, nous faisant croire que nous sommes seuls dans nos luttes. L'Écriture nous enseigne que le diable est aussi le grand accusateur. Dans l'Apocalypse 12:10, il est décrit comme celui qui accuse nos frères jour et nuit devant Dieu. Combien de fois nous sentons-nous écrasés par le sentiment de culpabilité, indignes de l'amour de Dieu, convaincus que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés? C'est le diable qui murmure ses mensonges, essayant de nous faire perdre espoir et confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. Il est important de se rappeler que l'action du diable, bien que tout orientée à offenser Dieu et à nuire à l'homme, est cependant contrôlée par le pouvoir divin, qu'il utilise pour exercer l'homme dans la vertu, et ainsi augmenter l'éclat de la gloire divine. Le démon ne nuit pas à l'homme autant qu'il le voudrait, mais seulement jusqu'où la providence divine le permet, afin d'éprouver l'homme dans la vertu et de le conduire à ce salut que le démon ne voudrait pas. Le démon jouit d'une plus grande liberté de nuire si c'est l'homme lui-même qui, par son péché, lui laisse l'espace pour agir. Lorsque nous nous trouvons à affronter des tentations et des épreuves, nous devons nous rappeler que notre Père céleste est toujours au contrôle. Même lorsqu'il semble que les ténèbres nous submergent, Dieu est avec nous et nous guide à travers chaque difficulté. La foi en Christ est notre ancre de salut et la prière notre bouclier. Comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6:11-18, nous devons revêtir l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notre bataille contre lui ne se livre pas avec la force physique, mais avec la foi, la prière et une vie vécue dans la sainteté. Nous devons être conscients que chaque fois que nous permettons à l'envie, au manque de pardon ou à l'éloignement de Dieu de prendre pied, nous donnons au malin une opportunité d'agir dans notre vie. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Le Seigneur est toujours avec nous, nous accompagne par la main et nous guide vers les bonnes actions à accomplir. La Bible nous fournit les armes nécessaires pour combattre contre les ruses du diable. Pour comprendre pleinement l'ampleur de notre lutte, nous devons considérer les trois sources de tentation au péché. La chair, le monde et le diable. La tentation de la chair vient de nous-mêmes, de nos vices et faiblesses. Des péchés comme la gourmandise ou la luxure sont liés au corps, tandis que l'orgueil, l'envie, le mensonge et l'hypocrisie sont liés à la vie psycho-spirituelle. La tentation du monde vient des autres hommes, de l'environnement humain dans lequel nous vivons, de nos ennemis déclarés ou des faux amis. Ceux-ci peuvent nous pousser à pécher par l'attrait des plaisirs, des honneurs, des richesses et de la gloire humaine. Il y a aussi ceux qui nous oppriment, nous provoquent et nous tourmentent, rendant difficile la pratique de la vertu. La tentation du démon n'est pas facile à reconnaître, mais la Sainte Écriture nous commande expressément de nous garder des tentations diaboliques et de veiller. Le royaume des ténèbres du démon est l'établissement dans notre monde d'une anti-Église, un royaume du mensonge, de l'immoralité et de l'athéisme. Le diable utilise des instruments et des structures politiques, économiques, sociales et culturelles pour tenir l'humanité sous son emprise, empêchant de grandes masses humaines de connaître la vérité, de vivre selon la loi morale droite et de connaître et adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour notre salut. Frères et sœurs, je vous exhorte à veiller constamment sur vos cœurs et vos esprits. Priez sans cesse, restez fermes dans la foi et cherchez la compagnie des saints. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Avec Christ à nos côtés, nous pouvons vaincre n'importe quelle bataille, même contre les ruses les plus subtiles du malin. Prions pour que le Seigneur nous donne la force de résister aux tentations, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de rester toujours proches de lui.
demandons au Saint-Esprit de nous illuminer et de nous guider, afin que nous puissions reconnaître l'action du diable dans nos vies et la repousser avec la puissance de la prière et de la foi. Et surtout, rappelons-nous toujours que nous sommes des enfants de Dieu, aimés et protégés par un Père qui ne nous abandonne jamais. Avant de conclure, prenons une minute pour chasser de nos vies tout signe du malin. Demandons à Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, de nous défendre. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Chers frères, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et si ce message vous a été utile. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre groupe de prière pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi. Que le Seigneur bénisse et garde chacun de nous, nous rendant forts dans la foi et nous protégeant du mal.